Salut, station fréquence, les bonnes surprises à côté à vous tous de la part de Dindy 33 pour le QSO national du canal 27. Alors, on est vendredi 16 décembre 2016. Alors, est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Oui, Rémi, Dindy 33, 14 0 64, Rémi, 14 02, Rémi, pour 14 0 64, Ok Daniel, c'est une radio de 5 et Santiago qui navigue entre 1 et 2. Ça marche bien, ça marche fort. Ok, ben tu vas passer au-dessus du squash. Hein. Tu vas passer juste au-dessus du squash, la Rémi, là, donc tu es juste au niveau du 7. Hein. Voilà, donc je t'entends, donc le principal, hein. Voilà, c'est ça. Après les autres stations, bien écoute, je ne sais pas si il y aura du monde. Mais toi, tu passes juste limite au-dessus. Hein. Ok, enregistrez le break. Ouais, c'est vrai qu'en plus de ça, t'as un Santiago de 7 de QRM. Putain la vache, c'est hallucinant. Ouais. Faudrait que tu regardes si des fois, en mettant l'installation à la terre, ça t'éliminerait pas des fois là, quelques QRM. Ou alors, ouais, oui, puis pour monter l'antenne plus haut, ça risquerait d'être un peu délicat. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est signalé. En avant. Oui, la station qui s'est signalée. Bon, ben c'est pas grave, il est passé, il repassera. Oui, vas-y Daniel, tu fais quelques d'autres essais. Ok, pourtant c'est vrai que c'est chiant, hein. Faudrait voir quand tu coupes là, les guirlandes de Noël, le truc comme ça, si des fois ça arrangerait pas, ça améliorerait pas quelque chose. Juste à titre d'essai comme ça. Si c'est ça, et bien ok, t'as plus qu'à attendre que les fêtes passent pour que la fréquence soit à nouveau propre. Salut Thierry, bon là Daniel, le coyote, les bonnes sur 1351. Daniel, là tu dois l'entendre. On a la planète Saint-Médard avec nous. Ouais, moi je l'entends très bien, moi. Voilà. Mais c'est lui qui t'entend tout petit. Est-ce que tu m'entends, Daniel? Oui, je t'entends, il n'y a pas de souci, les bons sont 113, hein. Les bons sont 113 aussi, hein. Voilà, je t'entends. J'ai monté à l'envers. Ouais, tu l'as envoyé. C'est pour ça que je voulais tenter une connerie. Et il a pas mis dans le bon sens. Ok, Thierry. Oui, écoute, on a fait comme on a pu. Hein. Voilà. Non, mais malheureusement, c'est vrai que c'est l'ensemble du domaine ici là, qui fait que malheureusement, il y a beaucoup de QRM. Hein. Voilà, ok, Thierry. Voilà, 100%.
un handicap 10, mais ça va me revenir un peu plus tard. Voilà, le Coyote, ah si. Ok, non, non, mais c'est bon, hein. De toute façon, c'est vrai que je connaissais pas assez de froid, tu vois, hein. Bon, ça y est, vas-y, j'ai tout rangé, hein. Le bazar a été rangé. Voilà, ben, le temps que j'ai accompagné Fred jusqu'à Cessas, là, jusqu'à Siroton, là, jusqu'à l'entrée de l'autoroute. Après, malheureusement, là, je n'entendais plus puisque il n'avait pas assez de watts pour que je puisse en entendre. Hein. Voilà, alors, dit, ben, écoute, on va laisser un plan là, pour voir s'il y a du monde encore derrière. Daniel, 14 ONR, 64, 133, local de Saint-Mélange, qui passe en RX pour l'écoute des autres stations. Oui, j'ai entendu quelque chose. Oui, le Roger Bip. Oui, Thierry, il a en même temps 7 points de QRM. Alors, c'est plutôt hard hein, pour faire un QSO comme ça. Hein. Ah, mais 7 points, mais oui. Moi, tout à l'heure, c'est ce que j'avais. Tout à l'heure, mais j'avais presque 6 points de QRM. C'est parce que c'est le temps. Hein. C'est le temps qui fait ça. Là, donc, moi, Daniel, je l'entends bien. Hein. Je l'entends bien. Voilà. Daniel, moi, c'est 14 Tango Charlie 033. Voilà, 14 Tango Charlie 033. Tu vas demander un indicatif. Je te le redonne. Hein. Ok, 14 Tango Charlie 33. Les 73, hein, voilà, bien le bonjour à toi. C'est Médarangal. Hein. Voilà, Daniel Santor sur Médarangal. 14 DR 64, donc. Hein. Voilà, ok, bien les 73 à toi aussi, et bien, je t'entends, là, tu passes au-dessus du QRM aussi. 3% de SL aussi, hein. Voilà. Mais écoute, moi je vais essayer de réviser la première partie, là. J'essaierai de fixer la seconde partie, hein. Voilà, comme ça, bien, écoute, je vais essayer d'aller au maximum de ce soir, là, du QSO, puisque demain après, il faut que je prenne la route, là, pour un gastro, hein. Voilà, un gastro radio, voilà, d'OM radio. Voilà, donc, ok, donc ça fait un retour de micro, la 14 Charlie de manger, je reste à l'écoute de notes, et puis j'ai pas le papier sous la main, merci pour moi. Voilà, je fais ce retour de micro, là, j'ai mis le compteur à moi. Ouais, Thierry Le Coyote, c'est 14 Tango Charlie 0033. C'est pas grave, tu retrouveras l'indicatif dans la vidéo, Daniel. Oui, ok, Rémi. Hein. Ok, pour ça, pour Charlie. Voilà. Non, mais attends, j'essaie de retrouver un studio par là. si, voilà. En plus, il n'y a pas de studio, oh là là. Bon, en fait, de toute façon, je verrai tout ça sur la vidéo, il n'y a pas de problème. Je sais que tu tiens tout ça un jour, Rémi. Voilà, donc, il n'y a pas de problème. T'as pas le stylo ou t'as pas la tête? Au moins que ce soit les deux que t'es perdu. Ok. Ouais, je crois que j'ai entendu quelqu'un derrière, en avant. Bon, j'entends des voix. T'as, par contre, moi aussi, toi, j'ai un petit QRM électrique là qui passe là de temps en temps, là par vague, là, sur le secteur. Bon, c'est pas bien gênant, mais bon, s'il y a quelqu'un assez petit là qui passe, ça va pas être évident. J'ai mis les chiffres, mais j'ai un peu de QRM, mais comment j'ai mis les chiffres, alors je m'en fous, ça va. J'ai plus rien, là, c'est calme, dès qu'il y en a qui prend le micro, voilà, j'entends. Voilà, et les QRM, on les a fait enlever. Ouais, ouais, ok, ouais. Ouais, donc là, cet après-midi, ben, je suis allé voilà, chez Daniel. Là, il m'a téléphoné, il avait besoin d'aide, tout ça, ok. Bon, puis voilà, on s'est bien amusé. Le problème, c'est que l'antenne n'est pas assez haute. Et c'est pas évident, vu la configuration là, au niveau de son quartier, plutôt. Et du coup, là, elle est à quoi? Elle est à la louche, 5 mètres 50. Voilà, c'est tout. Hein. Et résultat, les maisons autour sont plus hautes que le bas de son antenne. Eh bien, c'est la Mantova 8, hein, la même que j'ai, là. Mais moi, je suis pas très non plus, je suis qu'à 9 mètres, hein, c'est tout. Hein. Mais moi, c'est pareil. Moi, la mienne, la directive, elle a quoi, 9 mètres, 9, ouais, à peu près 9
Ok, hein, Daniel, ça doit être ça, hein, autour des 5 mètres, 5 mètres 50. Oui, ok, je salue la station derrière. Je ne sais pas, je n'ai pas reconnu la. Si c'est Eric, eh bien, écoute, je le salue, 113 à toi, Eric. Donc Daniel Tantor, hein, 14R02. Oui, mais écoute, oui, c'est vrai que là, c'est. Bon, je t'entends, il n'y a pas de problème, mais je t'entends, mais comme j'ai pas eu le retour du prénom de l'opérateur, là. Donc. C'est pour ça que j'hésite sur l'OM. Voilà, écoute, je suis sur le micro, la station, retour à toi. Oui, Eric, est-ce que c'est toi qui t'es signalé? J'entends rien, hein. Alors lui, avec 7 points de QRM, il entend des stations, nous on a quasiment rien et on n'entend rien. Putain, je suis vert. Ah si, j'ai eu un petit passage très lointain. Ouais, ça doit être Daniel. Oui, allez, tu veux changer mon tour de micro? Oui, j'ai entendu ton Roger Bip, à moins que ce soit Christophe de Langoiran là, qui s'est signalé derrière. Ah, ok. D'accord, ok. Donc, c'est un OM de Langoiran que. Ok, mais je ne sais pas si c'est lui. Hors sujet, rien compris. Bon, il va passer juste au-dessus là, du QRM. Ou si c'est une autre station là, qui a bruité, mais. Okay. Donc au dernier passage, je vais essayer de retourner le micro, Béli. C'est l'OM de Langoiran, c'est ça? Ben, le problème, c'est que nous, là, on n'entend rien. Il n'y a que toi avec tes 7 points de QRM qui entendent les stations, alors que nous, là, ici, on n'a rien. Il y a à la télé, au moins. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Putain, il m'est passé comme un boulet de canon. J'ai fait me casser la gueule de mon siège. Hachi. En plus, Thierry, ouais, le temps de rentrer, il était quoi? Il était 7h25, 7h30. Voilà, je suis rentré au QRA 7h30. J'ai pas eu le temps de faire grand chose d'autre. Ok, les 73, 14, Victor Echo 27. Thierry, en avant. Vous avez parlé tous les deux à la fois. 73 à la station. J'espère que vous allez bien. T'as les oreilles qui font de la stéréophonie, donc c'est bon, t'as tout entendu. Impeccable, Thierry. Eric. Ouais, salut Rémi, salut Coyote. Je sais pas qui est avec vous derrière, je salue tout le monde. Eh bien, ok, retour de micro sur le tout le monde. Bon, ben comme ça, on est fixé. Retour Thierry. Vas-y, vas-y, là tu seras crédible. En plus, il y a la vidéo, là, ils vont tous répliquer là, demain soir dans le QSO. On va se retrouver à 150 là pour le coup. Oh, ça va, j'ai couru tout à vous qui vous appelle. Qu'est-ce qu'il a dit, tout à l'égout? J'ai rien compris. Répondre là. Je sens la gueule, t'as marqué là. Et ta femme est à côté là?
Eh ben non. J'ai dû faire. Je dois parler encore trop fort, du coup, elle s'est échappée. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'elle est à côté de moi, là. C'est pour ça que vous voyez qu'est-ce que je vous dis, là. Ça arrange de plaisante. Eh, je vais te poser une question. En vitesse, je la sens à tout le monde, mais c'est pas grave, hein. Un crocodile, tu sais ce que c'est, un crocodile? Ouais, mais je sais pas pourquoi ta question a pu le fromage. Non, c'est pas froid. Qu'est-ce que c'est un crocodile? Quand un crocodile rencontre une femelle crocodile, qu'est-ce qu'il fait? Bah c'est quasiment la même chose. Ah, mais mieux, en vitesse, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je le sais. Nick. Ah non, nick pas. Non, tu sais pas. Non, je donne ma langue au croco. Eh bien, il accoste. En plus, ce soir, là, j'ai encore changé la couleur d'affichage du poste, je suis au vert. Alors, ça tombe bien. T'as compris, il accoste. Ouais, non, mais c'est bon, là, les neurones se sont regroupés. Et, oui, j'ai compris. Alors moi je vous écoute, c'est ça. Ok, bah tiens Eric, cet après-midi là, on a fait une installation d'antenne en fixe, là du côté de Saint-Médard. Encore, qu'est-ce qu'il y a comme QRM par là-bas? Oh la vache! Même un aspirateur, je crois que ça suffirait pas, parce qu'il y a quand même 7 points de QRM. C'est génial. Voilà, mais écoute, ça vient travailler en rentrant. Il n'y a pas de souci. Ok, donc je suis allé à la station dernière, à 14h64, donc... Qui parle, Eric? Installé en fixe, 73, à la station derrière. C'est Daniel qui parle. J'entends parler dans le lointain. Moi aussi. Putain, à propos de ça, le dernier coup qu'on y avait Luculuc, et le détail qu'on a oublié là sur le fait que moi j'entendais, que toi tu n'entendais pas, c'est que lui avait certainement mis sa directive en. Sa filaire en position directive. Donc forcément. Et le couloir, eh ben, il était dans mon sens, et puis voilà. C'est après, parce que c'est argumenté après, hein, sur Internet. Et c'est là qu'on m'a mis la puce à l'oreille, mais si, mais quel con, mais c'est vrai, s'il est sur une filaire, c'est forcément directif, à moins de la mettre en V inversé, ce qui visiblement n'était pas le cas. Ah bon, parce que nous on n'entendait pas. Toi, moi je l'entendais, j'arrivais à l'entendre, mais toi, Luculuc, tu l'entendais pas le dernier coup, rappelle-toi? Oui, mais je m'en rappelle très bien, mais je m'en fous, attends, alors, moi je l'entendais pas, Eric Avorneau l'entendait pas, qui était à côté, tu l'entendais pas, moi qui. Eric était à côté de lui, il l'entendait pas. Moi, qui je suis pas même chez toi, je l'entendais pas. C'est quand même bizarre. Voilà. Même que ça soit une filière, que ça soit une directive ou tout comme ça, c'est pas grave. Je m'en fous. On s'en fout de ça. Non, mais il n'y a pas de souci. Je comprends largement. Il y avait un gag. Il y avait un gros gag.
Voilà Eric, as-tu réussi à faire quelques contacts? Il y a quand même eu quelques petits passages de propagande là dans la semaine. Pas épais, mais il y a quand même eu quelques trucs. Tu sais, j'ai pas trop le temps dernièrement de faire de la radio. Hein. Ah oui, je vois. Ok. Eh ben, demain justement, va falloir que je descende là, au sud de la Gironde, aussi pour quelques petits soucis dans de ce côté-là, quoi. Ouais. Voilà. Bon, mais écoute, il y a peu là, c'est des petits blancs, des fois peut-être qu'il y a quelques derrière. Hein. Bon, les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27. On sait qu'il y a, très bien qu'il y a du monde derrière. Allez, prenez le micro en avant. Et tournez le manège. Le premier qui prend le micro, en M67. Mais t'as vu la région, t'aurais dit une bouteille de vin, là tu verrais que tout le monde se jetterait dessus, quoi. Ouais, ben merde. Là, je m'entendais pas à ça. Bon, le deuxième qui aura un micro pourra afficher les balles avec des frites. Ouais, j'ai cru. Non, c'est pas Christophe que j'ai entendu. Station de Saint-Émilion, là, les 113 à toi, hein. Il a dit la station de Saint-Émilion. La Saint-Émilion, hein. Voilà, donc la station de Saint-Émilion là, pour 14 ODR 64 là. Mais j'hallucine. Il est con quoi. Je sais de ma station, retour. Hey Daniel. Oui, Florian. Tu ça? T'as été rebaptisé. Il a Santiago 7 de QRM, il entend des stations qui sont à côté de chez nous, qu'on n'entend même pas. Non mais il a dit ça à l'apéro, il m'appelle Florian, Florent, je sais pas quoi là. Et Daniel, c'est Thierry qui te parle là. Ah pardon, excuse-moi Thierry. Excuse-moi. Non, c'est la station de Saint-Émilion, voilà. C'est pour ça. Mais il n'y a pas de station de Saint-Émilion, hein. Tu dois mal entendre, alors. Hein. L'antenne n'est pas bien réglée, tu dois mal entendre, alors. Hein. Parce que moi, j'ai dit, le prochain qui prend le micro aura une caisse de 12 bouteilles de Saint-Émilion. Mais il n'y a personne de Saint-Émilion. Il n'y a pas de station de Saint-Émilion. À part qu'il est arrivé après, mais il n'y a personne encore. Hein. Ah, mais j'y pense. Beltoise, est-ce que tu serais pas dans le coin? Beltoise, attention Beltoise, tu nous as dit que tu ferais un petit passage ce soir. Bon, ok. Oui, non, mais. C'est les conneries de Daniel qui m'ont fait penser à Beltoise. Hachi! Pourtant, elle devait être sacrément bonne, celle-là. Qui est con, celui-là. Bon, allez, Ludo, la pizza, là, merde, qu'est-ce qu'elle branle, là, elle est cramée, là, elle est foutue, on t'entend plus, là.
Non, il s'est fait livrer ce soir un camion de pizza. Non, plus sérieusement, dans la semaine, là, je l'ai eu, et il nous a dit que ce week-end, il pourrait pas être là. Non, Eric, je sais pas, tu l'as peut-être entendu aussi, non? Il y a peut-être Fredo qui va venir. Ah oui, qui est au sud, là, de plus au sud de chez toi, c'est ça? Ouais, du côté de Saint-Morient. Ouais, je crois voir qui c'est. Je crois que c'est, il me semble que c'est lui qui est également là sur mon forum, qui est pas mal actif d'ailleurs. Il y a Patrick aussi qui venait, qui a dit qu'il peut-être qu'il est venu faire un tour. Martin est révélé. Ouais, bon, de toute façon, hein, ils arriveront quand ils arriveront, et puis voilà, quoi. Le principal, c'est que, enfin, le principal, le plus sympa, c'est qu'à un moment donné, ils viennent nous voir, quoi. Non, mais il a monté, les gars. Toi, quand ils arrivent, ils viennent te voir, ils vont pas venir te voir. Non, pas moi. Putain, heureusement que non. Là, je dis heureusement, putain, tu me fais dire des conneries, toi. Il y a toute une éducation à faire. Hein. Ah, mais oui, mais, non, mais à la radio, il faut parler sérieux, parce qu'après, tu as les grosses stations qui arrivent derrière, et ils nous prennent après pour des rigolos. Parlez sérieux, les gars, parlez sérieux, parce que moi, j'en connais des grosses stations. Or, en tout cas, si tu n'en parles pas sérieux, il ne faut pas parler comme ça à la radio. Mais il ne faut pas dire ça. Vous avez vu comment vous parlez, on va la dire encore cette semaine. Et moi, je t'emmerde, hein. Si tu commences à leur dire, je te vois, je dis, là, tu vas te dire, mais c'est quand même une webcam, ça n'existe pas, la radio, mais c'est pas normal, là. Soyons sérieux. Mon Dieu, il y a des cafés en merde. Non, mais je croyais que, je sais pas, Eric allait reprendre les micros. Ouais, tu vous écoutes, ça, c'est bon. Bon Eric, t'as pas une connerie à nous sortir? Oh, les conneries à sortir, tu sais. Je sais pas, ça me vient pas pour le moment, non. Je vous écoute, hein, je sais pas, là, comment s'est passée la semaine, ça a été? Ah ben voilà, oui, non mais n'importe quoi. Comme le train quotidien, quoi, on va dire. Ok, tu prépares les fêtes un peu? Tu vas mettre un petit Jésus dans la crèche? Oh, pardon. Oh là, on rentre dans le domaine du privé, là. T'as vu, il y a un panneau avec marqué private là-dessus. Ben, j'ai fait exprès, j'étais pour faire réagir ta moitié. Eh ben, que dalle, parce que je sais même pas où elle est partie, quoi. C'est bon, en plus, tout à l'heure, elle était sur le canapé, et puis je sais pas, elle a disparu de la circulation. Elle est où? Sous le canapé? En plus, il y a un coffre en dessous, peut-être qu'il faudrait que je regarde. Non, mais c'est ce que t'as dit, elle était sous le canapé. Ah, j'ai la langue à fourcher, pourtant, j'ai même pas eu le temps de prendre l'apéro, moi.